to your favorite modern world. Bonjour tout le monde! Union, un album sorti en 2019, vient de s'offrir une cour de jouvence avec cette année une édition remaster comprenant également deux titres live. Derrière le disque se cache un trio britannique qui était encore totalement inconnu à mes oreilles jusqu'à la découverte de Union. Hilo, ainsi se nomme le groupe, semble préférer jouer en live que de s'enfermer en studio pour composer, au vu de leur discographie, disons, minimaliste. Ils proposent une musique pop, metal, progressive, électro, un peu à la manière des Australiens de Voyager, enfin, je trouve. Union est leur premier et unique album à ce jour, 7 titres, dont une piste d'un quart d'heure. Dans l'incroyable diversité des albums étiquetés Metal Progressif sur Bandcamp, c'est la pochette aux couleurs aquarelles qui a attiré mon regard et l'écoute du premier morceau Union m'a convaincu d'aller plus loin. Il faut dire que la voix du chanteur et claviériste Andy Robinson m'a tout de suite séduite, passant sans effort de la douceur au quasi-scream. Hilo n'invente pas la roue ni le fil à couper le beurre avec Union. Mais ne perdons pas de vue qu'il s'agit de leur premier album. Une basse au motif parfois djent répond à des guitares lumineuses, des claviers électro, un chant clair agréable et une batterie nerveuse manifestement par contre programmé. Le groupe est avare de sections instrumentales sorties de quelques intros et finales. Le titre « Coalescence », du haut de ses 15 minutes et 15 secondes, fait exception avec deux longues digressions instrumentales au clavier, à la Blade Runner et à la rythmique très prenante. Certainement le sommet de cet album, même si les autres morceaux sont loin d'être anecdotiques. Les deux captations live enregistrées au Prog Power en février 2024 prouvent, si besoin était, que le groupe tient parfaitement la route en public. Deux morceaux de Union revisités en version longue pour l'occasion. Union est un album d'une rare fraîcheur, une caractéristique des jeunes pousses pas encore usées par le système et qui donne souvent de fabuleuses prestations live. En attendant que Hilo revienne avec un nouvel album, je vous recommande chaudement cette réédition. Un groupe à suivre. C'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve dans une semaine, si vous le voulez bien, pour une grosse sortie très attendue. Vous pouvez cliquer sur le pouce, si vous avez aimé cette chronique. Et si vous voulez découvrir les autres, eh bien abonnez-vous. Merci, bisous.